est spécialement composé vient de condamner Yvan Colonne à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Cette décision est injuste. En ce soir de verdict, la famille d'Yvan Colonne a sonné. Sa défense était unanime pour rejeter, ce n'est pas une surprise, l'arrêt de condamnation. Il le conteste. Est-il légitime? La question est posée. Le verdict a été prononcé par la cour d'assises spéciale après 7 semaines d'audience, chahutée, fortement médiatisée. Rarement la défiance vis-à-vis des magistrats n'a été aussi marquée. Rarement le climat n'a été aussi délétère entre les différentes parties. Votre coup de colère n'est pas fin. Comment? Votre coup de colère... Ah non, il n'est pas fin, je vais voir le bâtonnier tout de suite. Pas fin du tout. Le bâtonnier de Paris a été sollicité à plusieurs reprises durant le procès. Là, c'est un maître Maisonneuve, avocat de la défense, qui était en colère. 2 jours plus tard, c'était au tour de la cour de demander l'intervention du conseil de l'ordre des avocats. Elle entendait protester contre les propos, à la limite de l'outrance, des avocats d'Yvan Colonne. La défense les a assumés. Elle voulait démontrer la déloyauté de la cour, quitte à pousser son président à la faute. Une stratégie de harcèlement qui a irrité les parties civiles. Il ne faut pas quand même oublier que c'est un procès de terroristes et que le terrorisme s'est fait pour déstabiliser les institutions. Donc on déstabilise la justice. Dès le 2e jour des audiences, Yvan Colonne avait crié au procès politique, dénoncé une cour en mission, téléguidée par l'Élysée pour le condamner. D'incidents d'audience en maladresse, la cour a prêté le flanc à de nombreuses critiques. Symbole de ces moments de tension, l'affaire Didier Vinolas. Un supplément d'informations a été décidé après les déclarations à la barre de cet ancien collaborateur du préfet. Mais c'est l'attitude du président qui a été mise en cause dans la gestion de ce témoignage. Il en avait été informé par un courrier masqué à la défense. Ce n'est pas le seul impair de la cour que les avocats d'Yvan Colonne ont relevé. Les exemples se sont multipliés, la suspicion s'est installée. C'est vraiment une question de loyauté qui se pose. C'est pas à moi à trancher les questions de loyauté. C'est éventuellement au premier président de la cour d'appel sur les récusations. C'est au premier président de la cour de cassation sur la suspicion légitime. Nous allons voir ce que nous faisons. Il y a à écouter sereinement ce que les adversaires se disent et la cour d'assises arbitrera. Le président Vacogne est là pour diriger les débats et le dirige bien. On lui fait un faux procès, comme on fait un faux procès au parquet. Loué par les uns, désavoué par les autres, le président Didier Vacogne a été l'objet d'une demande de récusation en plein procès. Événement rare. La cour est d'abord apparue dépassée. Elle a voulu ensuite reprendre la main. Oublions de masquer son opinion comme avec ses témoins visuels de l'assassinat qui n'ont pas reconnu Yvan Colonne. Lorsque la défense est vue refuser définitivement sa demande de reconstitution, la crise a atteint son paroxysme. Yvan Colonne et ses avocats ont alors quitté le procès. Monsieur le président a osé dire à un moment donné qu'il n'était qu'un arbitre. Mais où il se croit, Vacogne? Où il se croit? À Londres? À Washington? Mais enfin, un président de cour d'assises, c'est pas un arbitre. C'est un magistrat avec des pouvoirs, un pouvoir discrétionnaire. C'est quelqu'un qui pose des questions. C'est celui qui va rechercher la vérité. C'est celui à qui on demande, les parties demandent de rechercher la vérité. Quand on ne cesse d'injurier ses juges, faut pas... Peut-être être étonné qu'ils aient quelques mouvements d'humeur. Et encore, vous pouvez remarquer que ces juges sont parfaitement... Jamais il y a une manifestation concernant ou l'un ou l'autre. Ils sont extrêmement, extrêmement calmes et se conduisent comme des vrais juges. Après 3 semaines d'audience sans Yvan Colonne, les juges ont finalement prononcé la condamnation attendue depuis 11 ans par les parties civiles. Pour la famille de Claude Erignac, la justice est enfin passée. Mais ce procès, ce verdict issu d'un vrai bazar judiciaire, pose des questions fondamentales à l'exercice de la justice.